Je suis partie au premier semestre de L3 à Innsbruck en Autriche. Je suis partie en Slovaquie en Erasmus, à Bratislava plus exactement, durant ma troisième année de licence. Je suis partie à Genève en Suisse, troisième année de ma licence AES. Pour moi, partir en Erasmus, c'était vraiment un challenge personnel parce que je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable d'aller habiter dans un pays durant 6 mois. Toute seule, sans repères, sans ma famille, sans mes proches. C'est pas toujours évident parce que bon, on est loin de ses proches, voilà, mais on s'habitue très vite. Ça m'a permis de découvrir des nouvelles personnes, des cultures très différentes de la nôtre. Erasmus, c'est quand même une grande famille et on met pas beaucoup de temps à vraiment se sentir bien dans le pays parce que tout le monde est accueillant. Tout le monde a envie de te rencontrer, a envie de parler avec toi. Et... C'était un peu exagéré quand j'en entendais parler par les autres. Ils disaient c'est quelque chose à faire absolument, c'est incroyable, ça va vous changer votre vie, vous allez voir les choses complètement différemment. Et finalement, en fait, c'est pas totalement faux. Sans ça, je pense que je me serais pas du tout autant améliorée en langue étrangère. Et puis je pourrais pas prétendre aux mêmes, par exemple, les écoles auxquelles je prétends aujourd'hui. Je pense qu'en partant en Erasmus, on se découvre soi-même, on découvre les autres, on fait des rencontres et des personnes vont venir... s'installer dans notre cœur en très peu de temps et elles vont y rester pendant un bon bout de temps et même toujours. C'est beaucoup plus difficile de rentrer en France plutôt que de prendre la décision de partir en séjour Erasmus. C'était une très bonne expérience que je referai sans hésiter. Foncez, c'est une belle expérience, vous n'allez pas regretter. Au contraire, vous allez vouloir y rester, y vivre. Faut se lancer, faut pas réfléchir, faut y aller et puis... Vous nous remercierez quand vous rentrez.